Hello, hello, hello et bonjour à toi et bienvenue. Moi c'est Flo et bienvenue sur ma chaîne Les Énergies de Flo. Eh ben nous voici. Alors comme tu peux déjà le voir dans le titre, je ne sais pas ce que ce sera. Hein. Ce sera encore mes astro, astro aujourd'hui, Vierge. C'est à ton tour, ami, ami Vierge, d'avoir ton petit astro pour le mois de septembre. Donc c'est parti, j'ai déjà quelques cartes et puis quelques jeux là qui traînent et on verra lequel je prends. Je vais faire en fonction d'eux. Donc la vidéo du mois de septembre est déjà en ligne. Et puis bah, pour les astros, bah, après si tu veux consulter les autres signes, je les fais et je les poste direct. Je les programme pas. Ce coup-ci, je vais pas les programmer parce que voilà, tant pis, je mettrai une semaine à les mettre en ligne, c'est pas grave, mais voilà, je vais en faire comme ça tous les jours un petit peu et je les poste directement. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, si tu n'hésites pas à commenter pour partager un peu tes expériences, parce qu'il faut faire des expériences, hein, ne me crois pas sur parole, surtout ne prends pas tout ce que je dis à la lettre. Les cartes sont pas là pour nous dire quoi faire ou comment faire, mais ou plutôt les cartes ne sont pas là pour nous donner des ordres, mais juste pour nous donner des petites indications comme un petit phare dans le brouillard pour nous éclairer un petit peu, pour voilà, nous dire attention par-ci, attention par là, allons par là, pas par-ci, par là, enfin, bref, tu auras compris. Donc, bah là, je sais pas, j'ai pris le 77, je sais pas pourquoi il était là, donc je l'ai pris. Donc, hop, bon, il n'y en a pas d'autres qui sautent. Et ben, qu'est-ce que j'allais dire? Vais commencer par les acouphanges. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de septembre, ami Vierge? Qu'est-ce que, ben voilà. On va y avoir, on va voir, on va voir. Avec la première, on a le rêve. Rêve, réalisation, on a aussi le lâcher prise. Donc, on verra après avec la suite, hein, on verra avec la suite. Mais déjà, là, je peux juste te dire, bon, après, c'est pas compliqué à dire, c'est rêve, laisse-toi aller à tes rêves, rêve en grand. N'oublie pas qu'un rêve, voilà, c'est un rêve, donc tu peux te lâcher, tu peux rêver de licorne, tu peux rêver de je sais pas quoi, de griffon d'or, de je sais pas quoi, mais tu peux rêver de tout, de tout, de tout. Rêve justement en grand, ne te contente pas d'un petit rêve. Et lâcher prise, mais je pense qu'on verra après, parce que ça va sûrement revenir, lâcher prise et la réalisation, ça sort là, donc ça va sûrement ressortir. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a la vérité, la fin d'une illusion et l'authenticité. Donc, fin d'une illusion, et peut-être qu'avec. Oh, ça ne va pas rentrer là, toutes les cartes là-haut. Peut-être qu'avec la réalisation, mais on verra après encore une fois. Ici, on a univers, les schémas, le tout. Hop! Lâcher prise, réalisation, fin d'illusion, l'univers. N'hésite pas à demander, rêve en grand, c'est pour ça que je te dis rêve en grand et fais sortir, fais travailler la loi de l'attraction. J'ai eu une abeille là, une guêpe, une abeille, un gros truc qui est là. Fais travailler la loi de l'attraction et fais sortir tout de vraiment de l'intérieur de toi. Ici, on a miracle, projection, reflet. Donc, on revient avec les rêves, l'univers. Donc, ce que je te disais de la loi de l'attraction. N'hésite pas à rêver en grand. En grand, en grand. Ne t'inquiète pas du comment. Je vais faire sortir ce truc-là et je reviens. Et me revoilà, c'était une abeille. Ou un frelon. Non, pas un frelon, un bourdon. Petit bourdon, mais bourdon. Bon, bref. Un bourdon.
Allez, c'est parti, on verra, on complétera au fur et à mesure avec les acouphanges en fonction de ce qu'on nous a déjà présenté. Les doutes, donc ici on a des doutes. On a des doutes tout à l'heure avec celle-là, on avait l'authenticité, la fin de l'illusion. Les vérités qui ressortent, donc il y a quand même des choses, voilà, qui vont ressortir. En tout cas, là, les doutes, peut-être la fin des doutes. Septembre, c'est la rentrée, c'est la rentrée, donc on redémarre quelque chose, on démarre quelque chose. Peut-être que si tu rentres de vacances ou autre, hein, ou autre, la rentrée des classes pour les enfants, la rentrée tout court pour, comme je te dis, hein, si tu étais en vacances, et même le mois de septembre, c'est un peu c'est comme le janvier pour démarrer l'année, quoi. Là, on démarre quand même un cycle. Du coup, peut-être que tu as des doutes. Je regarde un peu par rapport au hop, 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 réalisation, lâcher prise. Des doutes, là on a des peurs. Fin de l'illusion, peut-être fin des doutes, fin des peurs. Là on a les imprévus. Imprévus, donc comme je te disais, je suis en train de rester sur cette carte de la fin de l'illusion, la vérité. Avec les imprévus, peut-être quelque chose de nouveau. Il y a une. Ouais, en fait, tu vois, fin de l'illusion, il y a comme une lassitude. Ah, mais je t'ai même pas montré. Ah, pardon. Que je te montre. Donc, ici, avec la carte de la lune, on a les doutes. Les doutes, mais ici pour l'instant, moi je suis plus dans la fin des doutes. Tu vois, on est plus dans la fin des doutes. La peur, donc bon, peut-être la peur de la rentrée, la peur de redémarrer, voilà, c'est possible. Mais ne pas avoir peur, ne pas avoir peur. Imprévu, il y a que des choses imprévues en fait qui t'attendent pour ce mois-ci. Donc c'est pour ça que je te parlais de rêver, rêve en grand. On a là avec la carte du lâcher prise et de la réalisation. Donc quelque chose va se passer en bien, même si tu as des doutes, tu as des peurs, tu vois. Mais n'aie pas peur, il faut. Faudrait passer cet obstacle de la peur et transformer tes doutes à la limite, en question, pour t'aider à aller de l'avant, pour t'aider à avancer. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Les doutes. J'avais les schémas, mais je n'ai pas. Est-ce que là je vais avoir quelque chose? Hop, 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 peut-être ou pas. Je pensais au schéma répétitif, mais. Non, je pense pas. Mais des doutes, peut-être des doutes à la façon de faire et peur de faire, de répéter, tu vois, un schéma déjà existant. Parce que là, on avait réalisation et aller de l'avant pour aller de l'avant. Mais il y a quand même, de toute façon, il y a ici, hop, là, on a la splendeur, le miracle, la projection, le reflet. Donc, peut-être que tu as un projet ou un travail, hein, encore une fois, ou même l'école. Je sais pas pourquoi je parle d'école, en fait, mais la rentrée, ouais. Peut-être la peur de reproduire un schéma qui existe déjà. Ouais, peut-être ça. Il n'y avait pas authenticité ici, là-bas. Authenticité, ici, on a le miroir. Regarde-toi dans le miroir, tu vois le reflet. Être toi, quoi. Peut-être que tu as peur d'être toi. En tout cas, il va y avoir donc des imprévus que je sens positifs.
une réalisation, tu vas réussir quelque chose. Donc tu vois, ces doutes et cette peur, elles vont, je pense qu'elles vont s'estomper, même si on a une lassitude, bon ici c'est quoi? C'est la carte de la lassitude, de l'insatisfaction, mais ça c'est tes peurs et tes doutes en fait qui viennent un peu ici, voilà. Pour ça que je te dis rêve, hein, et continue, hein, rêve, 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 n'hésite pas à rêver, 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 rêver. Et si tu peux lâcher prise, lâche, fais-le. Si tu arrives à le faire avec, bah, si tu arrives à le faire, parce que c'est pas spécialement évident à faire, donc fais-le, ça t'aidera. Ça t'aidera beaucoup. Et ici, on a le retour en arrière. Je te parlais de schéma, peut-être la peur de reproduire un schéma déjà existant. Mais, tu vois, je vois pas ce retour comme négatif. Je vois, en plus, tu vois, c'est écrit retour, mais c'est aussi rétrospection. Et tu vois, il y avait, hop, avec le miroir. Enfin, avec le miroir, oui, c'est un reflet. C'est un peu. Regarde ce que tu as déjà accompli, regarde ce que tu as déjà fait. Alors là, pour le coup, je sens bien un projet. Ben, fais le point, voir où est-ce que tu en es dans ton projet, professionnel ou pas. Fais le point pour voir où tu en es. Tu vois, ça peut vouloir dire ça, cette. C'est pas un retour en arrière, c'est une rétrospection. Et c'est plus dans ce sens-là, en fait. Le 77, le 77, il n'y en a pas beaucoup qui ont sauté. On est dans quelque chose qui vient à toi, quelque chose d'assez rapide. Donc, on avait la réalisation avec les acouphanges. On avait une réalisation, projection, voire même un miracle. Alors après, on parle aussi, il y a l'univers qui est là. Donc, est-ce que, voilà, peut-être que pas que tu joues, mais que tu utilises la loi de l'attraction, d'attraction, que tu parles à l'univers, tu fais tes demandes à l'univers, ben n'hésite pas et surtout, remercie, remercie, remercie. Il y a aussi ici une tristesse, alors est-ce que c'est pour ou envers un homme, mais il y en a une tristesse, c'est peut-être une, ah peut-être, enfin je sais pas si c'est une dépression, parce que là il y a quand même une rapidité qui arrive, alors c'était comme ça serait comme ça, quelque chose qui est en action, en mouvement vers toi, qui vient à toi. C'est assez rapide. C'est assez rapide. On peut parler même de aérien. C'est un avion, donc quelque chose de rapide, mais ça peut être quelque chose d'aérien. Donc après, ça peut-être être un homme qui vient de loin. Mais pourquoi il y aurait cette tristesse et ces larmes. Donc après, je sais pas. J'espère que tu m'entends, parce que là, d'un coup, j'ai l'impression que je parle pas très fort. Je peux pas crier non plus. Mais j'espère que tu m'entends. Bien. Allez, on va se faire un peu la triade. Alors, ça parle pas trop là, d'un coup. Ça parle moins que les deux tirages que j'ai déjà fait. Mais c'est pas grave, hein, il y a quand même des choses. Alors je vais prendre avec la triade, et on va demander à la triade, on va demander à Isis Konshu Impu de nous donner un message pour ce mois de septembre pour nos amis les vierges. 3, c'est trop. Une par une, s'il vous plaît. J'espère que tu vas bien. T'as passé un bon été, que t'as passé de bonnes vacances, que tu t'es bien reposé et que tu es prêt, que tu es prête à aller de l'avant. Je vais prendre celle-là, c'est la carte de l'homme.
je l'ai retourné, c'est la seule, j'ai envie de la prendre. Et que tout se prépare bien. On a une, alors peut-être, alors tu vois déjà là, bon, on verra après, hein, mais là, les cartes qui sont tombées, qui se sont retournées, on a l'homme et on a la mutation. Et je t'ai montré avec le 77 qu'on avait, avec le 77, on avait le... quelque chose qui vient à toi, l'avion, une certaine rapidité, quelque chose d'assez aérien, ça peut être quelque chose de lointain, et l'homme et des larmes, je voyais comme de la tristesse, je ressentais de la tristesse, mais c'est, hey, ça peut être une mutation, donc tu vois, peut-être que tu vas devoir peut-être déménager, et t'en as peut-être pas envie, et du coup t'as une cette tristesse, ou tout simplement que tu vas déménager, et que tu... bah oui, il y a une certaine tristesse, mais c'est pas forcément le gros drame, tu vois, c'est pas une tristesse dramatique, c'est juste, voilà, c'est... bah, des fois c'est triste de quitter un endroit où on y est resté longtemps, où on a vécu. Et bon, par contre, ça parle d'homme, hein, donc après, voilà. Et il n'y a plus rien, donc j'en aurai que 3... Allez, il y en a une quatrième qui est tombée, on va s'arrêter là. Hop, donc, l'âme, une bonne carte du coup. L'homme, la mutation et la pénitence. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir te dire? Déjà, qu'est-ce qu'on avait là? Pop. Donc, mutation déjà, ça peut être tout simplement aussi une transformation, tu vois, quelque chose qui change dans la tête d'un homme, dans la tête d'un homme, ouais, j'ai envie de dire homme, et peut-être une évolution, tu vois, une évolution dans la tête de ce monsieur. On est, alors attends que je prenne... Ça me fait penser, en plus tout à l'heure je te parlais de Griffon d'or et là on dirait le... Je sais même pas comment ça s'appelle. Comment il s'appelle le truc là, la balle dans leur jeu. Donc c'est l'âme, ouais. Bon, ça me donne pas plus. Je regardais voir si j'avais un peu plus d'indications, mais non. Là on est un peu dans le spirituel, donc c'est... Et là une pénitence. Donc... comme une punition, en plus avec la carte 13. Ouais. Ouais, c'est peut-être... ça, j'aime pas. C'est chiant. Peut-être la perte de quelqu'un. La perte de quelqu'un, alors pas forcément un décès, mais tu vois la perte, l'éloignement d'une personne. Et du coup, ça expliquerait les larmes, parce qu'ici, on a la peine, on a le chagrin, donc ça... Il y en a quand même... En fait, j'ai deux fois... Alors attends, je vais essayer, hop, de te les montrer... Hop, ça va être compliqué. Alors, hop, je sais pas si tu vois. En fait, j'ai deux fois le même message. Je te les montre, peut-être que toi tu verras autre chose, ça te parlera différemment peut-être. Moi, j'ai deux fois le même message. Deux fois. Avec ces deux-là, j'ai le côté... Avec ces deux-là, j'ai le côté un peu... spirituel qui vient, tu vois, aérien, je te parlais de quelque chose d'aérien qui vient, alors peut-être que ça peut être aussi un éveil, peut-être, ouais, ça peut être un éveil, un re-éveil, hein, pour un homme, j'ai l'homme, hein, là, je sais pas, pour toi, madame, mesdames, je sais pas, mais là, j'ai vraiment un homme, mais que pour ces deux-là, les autres... Mais là, j'ai plus l'esprit d'un homme. Et du coup, hop, là, on a ça avec l'âme, le côté un peu plus spirituel. Donc l'homme, non, là, il est là, l'homme. Et puis les larmes,
les larmes, la tristesse avec la peine qui est ici. Et là, justement, ça avec ça, ça fait aussi très spirituel. Donc j'ai deux fois le même message. Là, j'ai deux fois le même message. J'ai avec les acouphènes, j'avais quoi? J'avais projection, j'avais miracle. J'avais quoi encore? J'avais fin d'une illusion. Donc peut-être que... Ouais, fin d'une illusion. Une vérité. On apprend une vérité. Lâcher prise, réalisation, rêve et l'univers. Donc il y a quand même... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez spirituel. Donc aérien, je vais dire aérien, peut-être que ça te parlera mieux que spirituel, parce que spirituel, ça peut ne pas parler à tout le monde. Tout le monde n'est pas forcément dans le spirituel. Même si on aime les cartes, même si on aime l'ésotérisme, etc., etc., on n'a pas tous la même spiritualité. On ne voit pas la spiritualité tous de la même façon. Donc, voilà, j'ai... Puis je sais pas, le terme aérien me plaît. Là, pour le coup, pour ce tirage-là, me plaît un peu plus. Donc, je sais pas pourquoi, mais voilà. J'ai pas envie de m'arrêter là, mais en même temps, j'ai pas 8000... Ben, en même temps, ça... Si c'est pour que ça répète tout le temps les mêmes messages, tu vois, j'ai pas envie de passer 3 heures pour répéter toujours la même chose en fait. Mais allez, on va juste prendre avec celui-là 2-3 cartes de l'oracle du bonheur. Bon, en plus il est tout à l'envers. Donc déjà, j'ai quoi qui a sauté? J'ai quoi? C'est offrande. Donc là, je reste dans le côté aérien. Aérien, offrande, là je vois plus le côté hommage, rendre hommage. Peut-être que c'est de là que viennent que vient cette tristesse, cette peine et ces larmes. Après, oui, parce que j'ai pas envie qu'on reste sur des mauvaises, mais bon. Voilà, après, c'est des mauvaises ondes que si toi tu veux que ce soit des mauvaises ondes, hein, là, voilà, t'es pas obligé de prendre ça du mauvais côté. Comme je te disais, je te parlais peut-être aussi de changer d'endroit, changer de ville. Donc là, on a la carte du consultant, donc ça te concerne. Et, pardon, pardon, hop, hein. Incertitudes qui reviennent. Donc tu vois, il y a ça, ouais, je vais m'arrêter. Enfin, je vais pas m'arrêter là parce que je vais te faire un autre truc, mais je vais pas continuer des tirages parce que ça n'arrête pas de répéter les mêmes choses. Donc ça ne sert à rien. Par contre, oui, je te disais, vois pas en négatif. Je te parle pas de deuil, de décès. Tu vois, il va pas. Voilà, ça peut arriver. Quand même, on est des êtres vivants, donc on peut mourir. Mais ouais, je sais pas, ça peut être tout simplement l'éloignement de quelqu'un. Après, rendre hommage peut-être à quelqu'un du passé, hein, pour ça qu'il y a aussi le retour. Bon, bref, tu vas choisir entre 1 et 3. Tu peux choisir les 3, 2, comme tu veux. C'est les animaux, l'esprit des animaux, spirit, animal spirit. Je vais en prendre 3 et puis on va dire que, ben voilà, c'est juste pour t'aider, pour te donner une indication sur les signes, les synchronicités à faire attention dans ce mois de septembre. Donc, je t'inviterai aussi à aller voir la signification spirituelle sur la une vient de tomber, sur Internet pour justement provoquer encore plus de synchronicité, pour découvrir d'autres synchronicités en faisant des recherches. C'est comme ça, parce que, ne me fais pas confiance, ne m'écoute pas, ne me crois pas, mais tout le monde, hein,
ne fais confiance à personne, fais tes propres recherches, tes propres expérimentations. Ok? Allez, il m'en faut encore deux. Donc, choisis hein, une, deux ou trois, ou les trois. C'est toi qui choisis. Ouais, non, là, il y en a trop. Je vais prendre celle-là et celle-là. Hop. Donc, c'est les animaux, le spirit animal. Donc, la... Hop, hop, voilà. Dans cet ordre-là. Donc, la première, c'est toi qui vas voir avant moi. Le dauphin. L'esprit du dauphin. Ceci et cela sont vrais. Ceci et cela sont vrais. On avait la vérité, d'accord, qui sortait. On avait la fin de l'illusion. Donc, oui, moi, ouais, tu vas sûrement... Il y a des choses hein, qui vont être dites, qui vont... Enfin, qui vont être dites. Il y a des... Tu vas apprendre des choses. Tu vas apprendre des choses. Donc, tu vois, les doutes, ils vont peut-être s'estomper, les doutes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non. Donc, voilà, je te remontre l'esprit du dauphin. Ceci et cela sont vrais. Donc, qui te parle de la vérité, forcément, il te t'apporte de la vérité. La deuxième. Hop, qu'est-ce que c'est? La baleine. Voilà. C'est la baleine. Faire confiance au grand mystère. Et on te parlait d'univers, je te parlais d'univers tout à l'heure. Fais confiance à l'univers. Et confiance en l'univers. Lâche un peu, lâche un peu, lâche un peu. Lâche prise et travaille la loi de l'attraction. D'attraction. Pourquoi je dis tout le temps de l'attraction? La loi d'attraction. C'est une baleine, hein? Ouais, hein? Une orque. Une baleine. Donc, on a le dauphin et la baleine. Et en 3, poup, 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 poup. Oh! Non, là, comme ça. Oh, la chauve-souris. Une renaissance assurée. Une renaissance assurée. Et là, renaissance assurée, tu vois, on avait ce, où la mutation que je te parlais, ça peut aussi nous parler de... d'un changement de comportement, d'un renouveau, tu vois. D'un renouveau, oui, ça peut nous parler de ça aussi. Il y avait quoi d'autre? Il y avait quoi d'autre? Non. Le reflet là-bas, fin des illusions, une renaissance assurée. Ah oui, je t'ai pas dit. Bah oui, non, mais on va faire ça à fond. Donc, je recommence pour le 1. Donc, on a le dauphin et on a le 20. C'est la 20. Donc, comme ça, tu peux utiliser tout ça pour tes synchros. Donc, ceci et cela sont vrais. Donc, je te laisse faire tes petites recherches pour avoir plus de renseignements sur le 20 et sur le dauphin. En 2, 65, ce qui fait... 11, j'allais dire 9, pourquoi 9? 11, ça fait 11, c'est pas mal long. Fais confiance au grand mystère. Et avec la chauve-souris, on a une renaissance assurée et le 5. Donc voilà, je te laisse avec ces trois-là. À toi de voir... ce mois-ci, les synchros qui peuvent tomber avec ces esprits-là. Et sur ce, je te dis à... Je vais dire la semaine prochaine, peut-être, la semaine prochaine. À très très vite pour une prochaine vidéo. Où est-ce que j'ai mis les cartes? À très très vite pour une prochaine vidéo. Et ben, n'hésite pas à mettre un petit commentaire hein, si ça te plaît, si ça te plaît. Uniquement si ça te plaît, tu mets un commentaire. Bon, allez, ciao, ciao. À très, très vite pour une prochaine vidéo. Moi, c'est Flo et c'était les énergies de Flo avec Astro Vierge.